Bonjour à tous, vous allez bien? Moi je suis content parce que ça y est, on a les panneaux, vous avez vu ça? Ça a été livré mercredi après-midi. Là on est jeudi matin, voilà. Et ça caille encore. Il fait encore assez froid. J'en ai marre de ce froid là. Franchement, c'était limite s'il n'y a pas gelé cette nuit. Hein. Hier on est rentré en vélo, on avait les mains gelées. Truc de dingue. Donc voilà, je vais enlever la bâche de ce côté-là. Vous avez vu, le vent il a tourné, normalement il souffle de l'autre côté. Et maintenant il souffle comme ça. Mais le vent est toujours aussi froid. Donc, je vais enlever la bâche que ce côté-là. Bah non, du coup je sais pas, parce que si j'enlève la bâche de ce côté-là, ça va souffler de l'autre côté. Ah, il y a encore du vent. Hein. Vous voyez, il y a encore du vent, ça c'est chiant. Enfin bref, j'essaie de faire ce côté-là parce qu'on est plein sud là, quasiment plein sud. Parce que si je fais ça de l'autre côté, je vais avoir froid, je vais être à l'ombre. Donc on va essayer de poser les quatre panneaux de ce côté-là ce matin. Ah, je suis motivé là, je suis chaud comme une baraque à frites là. Allez, c'est parti. Chercher ça, les petites ventouses, vous avez été super nombreux à me dire mais pourquoi t'as pas des petites ventouses? Et en fait la veille je venais juste de les acheter et ça fonctionne plutôt bien, ouais. Donc normalement ça devrait être bien utile. Et pourquoi on fait pas ça avec un échafaudage? C'est parce qu'avec les échelles c'est beaucoup plus pratique pour monter plutôt qu'avec un échafaudage, parce que l'échafaudage, s'il est à 1m50 de haut, vous allez faire comment? Vous montez sur une échelle pour monter dessus? Enfin voilà, c'est pas pratique du tout. Alors faut qu'il y en ait un qui soit par terre, qui donne le panneau à l'autre. Non, ça va pas. Donc là c'est très bien, notre système il fonctionne super bien, il nous manquait juste un petit peu de prise, chose qu'on va voir grâce aux ventouses. Allez, c'est parti, on va voir si c'est bien avec les ventouses. Hein? Bon, Charlotte veut pas servir des ventouses. Tu as confiance. C'est vrai que pour l'instant ça sert à rien. Non, c'est bien, grave comme ça, tu vois, t'as une main. Libre. Ça supporte 30 kg normalement, ça peut pas tomber. Ça pète, ça pète. Ça se déventouse, ça se déventouse. Moi je reviens vers moi. Je reviens vers toi? Ah bah ouais. On part vers toi un peu.
suis trop content. Ça y est, qu'est-ce que t'as encore reçu? J'ai reçu un pistolet adaptable sur une 16 pour mettre ma colle, parce que franchement, la colle est super dure et j'avais mal aux mains. Et là, c'est ça. Il était temps qu'elle arrive, hein. On avait presque fini. En fait, vous mettez une visseuse dessus, tac, c'est un support. Et ça vient pousser votre pistolet à colle. C'est la marque Sika qui fait ça. Alors par contre, il y a eu quelques mauvais commentaires, mais dans l'ensemble, ça allait. Et moi, ce que j'ai fait direct, j'ai tout graissé, parce que j'ai vu qu'il y a des problèmes de graissage normal, quoi. Il y a du mécanisme en acier. Donc l'idéal, ça serait de graisser. Et je l'ai payé pas cher, hein. Tu te souviens? 10 balles, je crois. 60 balles sur ouais. Amazon. Et là, on l'a acheté 10 euros. 10 euros, 40 sur Amazon. Plus les frais de livraison. Ah, ouais. Sur Amazon. Plus les frais de port qui étaient à 7 euros. Voilà, c'était. Ouais, les frais de port, ils étaient limite plus chers que. Les frais de port étaient plus chers que le limite. Je sais pas s'il y en a encore, en tout cas, je vais vous mettre le lien. Et tu vois, je vois déjà qu'il y a un petit souci, il faut que je dévisse ici ou que je resserre ici, parce que là, ça va pas. Ça va être trop serré. C'est déjà tordu. Donc, on va vérifier quand même. Ça se trouve, c'est des trucs qu'ils ont mal vissé, puis ils les revendent, j'en sais rien, mais il a l'air d'être. Il était temps parce que là, on est en plein en train de mettre, et Jérém, il allait mettre la colle là. Donc, ça tombe à pic, et le facteur, il est arrivé. Ça tombe à pic. Allez voir, on va faire une petite démo. Appelez-moi les pattes. Bah ferme la bouche. Allez, petite démo. Je sais pas trop encore comment ça marche. Hein. Là, ça serait bien que tu tournes comme ça. Tu vas partir de quel sens? Là. Ah, ça marche pas mal. Hein. J'aurais pas dû mettre ma... La choc. Ouais, la visseuse à choc. Bon, on a changé de visseuse là. Ouais, celle-là est bien plus pratique, cette petite visseuse. Bon, dépêche-toi un peu là. Tu t'arrêtes? Ça fait forcer hein, la visseuse. Ah ouais? Plus de batterie? Vous êtes au bout de la cartouche? Après c'est neuf. Hein. Elle est vide. Ouais, pourquoi ça fait ça? Non, ça force. Il est tout tordu. Regarde. Il y a des copeaux à l'intérieur de ferraille. Du coup, ça l'empêche de bien faire son travail. J'ai l'impression que ça a été monté en force. C'était censé me faire gagner du temps. Ouais, c'est clair. C'est ce que j'allais dire. Bon, j'ai changé de visseuse. J'ai pris une plus puissante. On va prendre une
Et celle-là, c'est chiant, c'est que c'est prévu pour faire les trous. Et ouais. Elle se bloque? Le mécanisme, il a pété à l'intérieur. Non. J'ai pas forcé, hein. C'est quoi cette merde? Je vais même pas pouvoir récupérer ma cartouche. Bon, bah, c'est un produit qu'on ne vous conseille pas trop. Bah, on conseille pas du tout. Là, franchement. Ouais, tu dois avoir un système avec des pignons à l'intérieur et ça a dû péter. Trop simplement. Bien. J'ai pas non plus. C'est dommage parce que l'idée est pas mal. Mais les visseuses, elle tient pas bien, je trouve. Je pense que tu vas continuer à la main. Ça fait 3 jours qu'on l'attend et puis. Franchement, j'ai pas forcé, je vais pas le démonter. C'est de la crotte. On va le nettoyer parce qu'il y a un petit peu de graisse dessus. Hein, on va renvoyer. Hein. Oh, le panneau. Allez hop, c'est bon. C'est quand même mieux les trucs manuels. Hein. Moi, ce qui me gênait, c'est ça, c'est la petite bosse quand j'arrête. Faut être bien coordonné. Après, je me dis au final, c'est pas bien grave. C'est ta bosse, elle est écrasée après quand on met le panneau, alors tu sais. Ouais, mais j'aime bien quand c'est bien. Et je trouve que tu fais mieux ton trait à la main qu'avec la machine. Ouh. Bah, carrément, il n'y a pas photo. Je dois être à contre-soleil. Non, c'est quoi que tu as dit dans la vidéo? Ouais, contre-soleil. Ah, ça y va, ça. Ah, ça, de la gueule du monde, ça y va. Ah ouais, c'est trop facile. Ça, c'est gratuit en plus. Grave. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, résultat des courses. Le pistolet adaptable sur visseuse 6K pour les cartouches. C'est de la chiotte. C'est de la merde. Attention, attention, il y a de la colle. Tu sais, ça vient d'un appareil. Attends, faut que les gens ils voient le caméraman. Regardez qui c'est qui est venu nous dire bonjour. Oh, fais pas ton timide Loïc. Allez, on met le dernier panneau, on se dépêche parce que regardez derrière. Il y a le vent qui s'est levé d'un coup, c'est un vent froid. Je suis pas galant parce que ça devrait être moi qui... Non, Loïc s'est proposé de coller le panneau avec moi, mais j'ai dit non, moi et ma petite femme, on est bien calés. Et du coup, on est bien réglé, tu vois. C'est pour un goujat. On fait ça comme des maîtres. Ouais, mais c'est moi qui te le dis, donc c'est moi le goujat et moi j'assume. Tu m'en veux pas, chachat? Connasse. Petite ventouse. Ah, j'ai pas pris les visseuses. Oh merde, j'ai pas mis les visseuses. Hop là. Bien beau. Ouais. Elle est où? Heureusement qu'il y a toujours un caméraman pour nous sortir de là. C'est bon? Ouais. Je crois. C'est la seule qu'on va imposer comme une merde. Là. Ah, ton échelle est pas bien. Attends, moi je suis pas bien. Déposé. Allez, on lève. Attends. Voilà, normalement je suis bien. Oh là là, c'est un gros jour, moi. Un gros jour? Ouais. Ah, on va mettre la vis, ça va être très belle. T'as fait bien, toi? Moi j'étais bien, oui. On est bien haut? Ouais, c'est bon, en haut. On est bien calé, gars. Hop! On en a plus qu'un gros jour, hein. Mais non, je suis pas bien. Ouais, je comment on fait? Comment on fait? Tu vois le trou, toi? Non, là ça devrait être pas mal. C'est le temps qui m'a stressé d'un coup. C'est bon, je suis bien. Bah ouais, j'en ai décalé. Hein. Ouais, ça va. On va dire heureusement que tu es là, c'est ça? Ouais. Marrant parce que
On voit limite les trompes d'eau qui arrivent. Arrête tes conneries. Allez, vas-y, casse-toi les couilles. En fait, je sais pas si on est là-bas, je crois que la vache elle colle sur le silicone. Ah, c'est pas du silicone, c'est de la colle. C'est bon? C'est bon? Vas-y, tiens. Serre bien en bas, les coins. Ça se trouve de l'autre, en fait, ça se trouve de l'autre, en fait, je crois. Je vais pas tous les faire. Si, bah si. Là, c'est toi qui vas passer pour un goujat. Ça va, l'égalité des sexes, et puis dès qu'on fait faire un truc de mec aux femmes, on passe pour des goujats. Ah, c'est bon, bien. Je m'en vais. Ouais, c'est bon, merci, bien. Bon voilà, on a tout rangé vite fait là, avec Loïc et Charlotte et il commence à pleuvoir. Ça m'a usé. Voilà, c'est fini, j'espère que le joint là-haut va pas coller sur la bâche. Au pire des cas, vaut mieux ça que tout le joint prenne l'eau. S'il faut, je le regratterai, j'en mettrai un petit peu. Mais normalement, c'est dans la gorge, donc ça devrait pas toucher. Donc voilà, je suis super content. J'espère que demain, on aura un beau temps, enfin un temps assez clément. Normalement, ils annoncent pas d'eau. Et que je pourrai finir l'autre côté avec Charlotte. Je suis vraiment content. Alors j'étais comme ça devant. J'étais content. J'étais. Oh la vache, ça y est, j'ai mis mes panneaux quoi. On a mis nos panneaux d'un côté. C'est fini sur un côté. Et il n'en reste plus que 4 de l'autre côté. Donc je suis super content. On va pouvoir avancer maintenant. Allez, je vous laisse, bye bye. Bonjour les bandits. C'est une journée qui commence, une nouvelle journée. Et c'est une journée pluvieuse. Je ne vais pas pouvoir poser mes panneaux. Je suis triste, profondément triste. Il pleut. Demain, il pleut. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir poser le reste des panneaux avec Charlotte. Dégoûté. Je pense que je vais rentrer. Je vais me recoucher. Je vous laisse le bandit. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Mettez un petit pouce. Abonnez-vous. Parlez-en autour de vous. À bientôt. Bon week-end.